Je dis que craquez-moi quand même. La personne qui me craque, quand... je dis que prenez ça. Ça, mon Dieu, si vous me craquez quand même, vous me craquez où c'est José. La personne a 500 000 dollars. C'est chaud. Sortez, sortez, sortez. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Quand vous dites, vous pensez que c'est la blague. Les amis, partagez cette vidéo. Bon, j'ai fait un post tout à l'heure sur ma page. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris d'où je voulais en venir. Je reconnais ici que je n'ai pas trop détaillé le post. Mais je vais vous expliquer, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai posté cette photo-là. Pour ceux qui se rappellent, hein, il y a eu un problème entre le président de la FECAFOOT et un ex-artiste musicien camerounais sur les réseaux sociaux ici. Où on parlait de Samuel Eto'o qui avait donné l'argent à un artiste et tout ça pendant des mois et pendant 2 ans. Et qu'un jour, cet artiste s'est retourné contre Samuel Eto'o. Ça avait fait tapage sur les réseaux sociaux ici. Pour ceux qui ont bonne mémoire, vous vous rappelez, vous savez de qui je suis en train de parler. La photo de Samy Le Noir que j'ai partagée, la capture d'écran là que j'ai partagée, pour moi, j'essayais de faire un lien entre ce qui s'est passé entre cet artiste et le président de la FECAFOOT et le combat que nous menons actuellement pour réclamer la justice pour Samy. Parce que cet artiste-là, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, il a tendance à se mêler de tout ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui se passe sur la toile. Il se mêle de tout ce qui se passe sur la toile. Mais curieusement, l'affaire Samy, c'est comme si ça ne le concernait ni de près ni de loin. Et donc, j'ai fait cette capture pour vous demander si on partage le même point de vue, si ce que je pense à ce que vous-même vous pensez, que depuis qu'on est en train de réclamer justice pour Samy, lui n'a jamais fait de vidéo par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que Samy s'était prononcé sur son palabre entre lui et le président de la FECAFOOT? Donc, c'était là que je voulais en venir. Sans ici prononcer le nom de qui que ce soit, pour ceux qui ont une mémoire ouverte et tout, vous comprenez de qui je suis en train de parler. Depuis qu'on parle de l'affaire Samy, pour ceux qui se disent dénonceurs des faits de société, ceux qui se disent être du côté du peuple, ceux qui se disent, voilà, pourquoi depuis que l'affaire Samy atterrit sur les réseaux sociaux, cette personne n'a jamais osé parler de cette affaire. Peut-être que cette personne a ses motivations à elle de ne pas se prononcer sur le sujet, mais c'est vraiment dommage parce que je suppose que tous ceux qui ont de l'audience sur les réseaux sociaux devraient parler de cette affaire, devraient se ranger du côté de la justice dans cette affaire. Voilà. Donc, c'était un peu le message de mon poste. Pour ceux qui se rappellent de ce palabre-là, vous savez pourquoi. Aujourd'hui, j'ai posté cette photo-là. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des deux Judas qui sont impliqués dans l'affaire Samy. Je parle ici de Candem et de José. Voilà Solange Bi, une dame brave, une dame forte, une guerrière. Oui. Il n'y a pas long pour Solange Bi. Écoutez cette vidéo et je vais revenir juste après pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. Ici, là, c'est justice pour Samy. Et quand j'ai dit justice, c'est sur ça que je cale. Voilà, c'est ça. Justice pour Samy. Félicia, c'est une fille. Félicia, c'est une fille qu'on doit, soulever jusqu'au ciel. Oui, 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 oui. Moi-même ici, là, non, je vais être la première devant. On attend d'abord, on fait d'abord notre combat. Après, on doit voir son cas. Vous comprenez, non? Mais on ne peut pas laisser cette petite comme ça. Parce que c'est elle qui est venue nous annoncer ce qui s'est passé sur son homme. Oui. Hein? On fait José a déjà fui. Vous me on va fouiller José. Celui qui veut, je lui paye 500 000. Je dis 500 000. Tu me traques José, je te promets. Sur la tête de mes enfants, sur la tombe de mon père, je te donne 500 000. Cash, tu me la traques. C'est comme ça. La fille, elle doit parler. Comment les bêtises comme ça, dis donc. L'enfant de Cluic, une femme a accouché, qui a porté 9 mois. Vous venez vous tuer avec un Turc, mon frère. Vous ne respectez pas les Camerounais. Vous ne respectez pas le vert ou jaune. Vous ne respectez pas le nombre de 237. C'est quoi? Vous ne respectez pas les Solange Bi. Vous ne respectez pas les One Love. Vous ne respectez pas les étoiles cubiennes. Vous ne respectez pas les 100 ans. Vous ne respectez pas les VP de l'homme. Vous êtes malade ou quoi? Camdem. Étoile, Candem et José, vous me traquez les deux personnes là. C'est 500 000 par personne. C'est la boss lady qui a dit l'impacteuse. C'est comme ça. Vous me la traquez. Si la justice ne va pas faire, nous on va faire justice. C'est comme ça. Ici chez nous, c'est comme ça en Angleterre. Et c'est comme ça que ça doit être partout. Comme ça, ces idiots-là vont, arrêter. Elles vont connaître, elles vont savoir marcher. La personne qui me traque ces deux-là, c'est 500 000 par personne. C'est comme ça. J'ai l'argent pour payer ça. Bêtise comme ça. Elle vient, les live, elle vient venir, elle veut déranger les gens, dis donc. On t'a dit que ta voiture, que ta vraie jour était vieille. C'est une vieillerie qui n'atteint plus 2 000 euros ici en Europe. 2 000 euros, ça n'atteint pas.
Tu emmerdes les enfants, ça. Tu es parti à Camille Toyota prendre le prêt d'une voiture pour donner à ta mère. Maintenant, tu ne le laisses même plus à ta mère. Toujours pas, tu veux filmer pour qu'on te donne les cœurs et les quoi. Je ne sais même pas vraiment ce que... Ah non, non. Je ne sais pas ce que prétendre aux gens avaient déjà fait. On respecte une femme qui lave les toilettes. On respecte une femme qui lave les caca même de quelqu'un. Mais quand même, c'est vrai et c'est ce que tu fais. Et c'est ce qui te nourrit, tu ne voles pas. Merde, j'ai dit qu'on va les craquer. Je sais que vous, mes combattants, vous êtes très forts. J'ai dit que craquez-les-moi. On va les craquer. La vérité de truth must be known. La vérité doit être connue. Balog Befar. Merde, c'est quoi? On fait l'idiot passe partout. Elle est en train de demander l'aide partout. Elle a voulu demander l'aide à Étoile Cribienne. Elle était le jour là. Tu n'as pas appelé Étoile Cribienne avec ma fille. Elle s'appelle même comment? La beauté là, elle s'appelle même comment? Comment j'oublie encore? Notre fille là qui était au Nigeria un temps. Elle s'appelle ma... Shakiru, hein? Tu es parti toute la nuit, tu n'as pas laissé les oreilles des enfants pour vouloir leur mentir. Hein? Pour vouloir leur mentir qu'ils doivent... Tu as dit... Bota, je suis la Queen Bee. C'est mon nom dans mon passeport. Tu vas voir, j'ai dit que Queen Bee, c'est comme ça. Donc quand la reine, quand la grand-mère, quand la vieille grand-mère interplanétaire d'abeilles, que son nom est Madame Abeille, c'est mon nom. Solange Abeille, c'est comme ça. Quand on m'appelle ici, c'est Madame B. Ça veut dire Madame Abeille. Je ne suis pas seulement. Donc, je ne serai pas seulement le nom. C'est comme ça, je pique. Et quand je pique, ça chauffe. C'est comme ça. Je dis que ça chauffe. Ce n'est pas le ça ne chauffe pas. Quand je pique, ça chauffe. Karim Mongwe, tu es ma soeur du village, mais tu as tué cet enfant. Tu ne devais pas. Soit tu nous livres ce truc et tu dis la vérité, soit on va te craquer et tu n'auras pas de paix. Zéro paix. Tu n'auras pas la paix. Voilà, c'est comme ça. N'importe quoi. Donc demain, on va aller prendre un enfant peut-être en Bépanda parce que ses parents sont trop pauvres. On va le tuer n'importe comment. Il n'a pas droit à la vie. Parce que ta vie dépasse pour l'enfant là, quoi. Parce que tes poumons là, si on enlève seulement un seul de tes poumons, on perce un de tes poumons là, ça serait ta vie, on sera plus mieux que pour l'enfant là. L'enfant a deux poumons comme toi. L'enfant a un cœur comme toi. L'enfant a urine la même couleur que toi. Il faut apprendre à respecter l'être humain. Sans l'emballage, il faut apprendre à respecter l'être humain sans les tigres. Parce que si Dieu ne vous avait pas respecté, ce qui ne vous garde pas, vous marchez avec vos pattes là sur la terre, vous vous réveillez le matin n'importe comment, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me réveille ce matin. Parfois, c'est pour que vous changez vos mentalités. N'importe quoi. Je dis que craquez-moi quand même. La personne qui me craque, quand je dis que prenez ça, ça mon Dieu, si... Vous me craquez quand même. Vous me craquez où c'est José. La personne a 500 000. Donc, si la même personne craque deux personnes, tu as un million. Point. Et c'est le même jour en transfert. C'est comme ça. Il y a Tap Tap Sen. Il y a World Remit. Il y a tous les trucs. On envoie l'argent. Vous me craquez ces imbéciles-là, dis donc. Vous voulez tuer les enfants de Cruy. On va rester comme ça. On va vous regarder parce que vous êtes qui? Minabeza, vous êtes qui? N'importe quoi. Ma fille est bêtie, hein. Ma fille est de Mvengue. Mvengue de vous autres. Vous pensez que je veux rester comme ça, on va tuer. On va venir me dire en inbox. Non, mais ma grande Solange, c'est ta soeur du village quand même, non? Il faut quand même les protéger. Tu sais que l'impa ne nous aime pas, imbécile. L'impa doit vous aimer que vous êtes devenu quoi? Leur femme ou bien leur mari. L'impa ne nous aime pas. Quand vous partez dans leur village là-bas, mon père a pris tout un village qu'on a donné le nom à Comme Dieu à mon père. Mon père a fait quoi pour mériter à Comme Dieu? Il a fait quoi? Vous pouvez donner un nom comme ça, un bêtis dans notre village à l'ouest là-bas. Il faut arrêter le tribalisme. Imbécile, hein? Les enfants du diable comme ça. Vous pensez que moi, je vais être sur la terre, je vais choisir le diable. Je ne connais pas travailler, je travaille. Mieux je ne pas laver les routes. Hein? Mieux je ne pas laver les toilettes. Hein? Oui. Que de venir me dénigrer. Je viens ici, là, je joue ce que vous êtes en train de jouer là. Tout mort. Imbécile. Come here, you're so pretty. Dites à ma fille qu'elle est belle. Elle veut même souvent se tuer. Oh, dis-lui qu'elle est belle.
Elle veut même souvent se suicider l'enfant. Is it what? Oh, it's what? Yeah. I say sometimes you feel so down that you even want to kill your beautiful self. C'est ma fille, go and sit down, that's fine. Hein? Dis-lui, elle est belle, non? Hein, ben voilà. Les enfants trouvent les enfants partout. En fait, donnez l'amour. Vous voyez, quand je souris avec vous, moi-même, mon cœur sourit. Quand je suis méchante, moi-même, mon cœur est noyé dans la méchanceté. Ça dérange les lames, ça dérange l'esprit. Quand on donne l'amour aux gens, on reçoit l'amour. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça, ah ah, you see, my brother say you are so, come on, say you are so beautiful. And he gave you been heart and love and everything, you see. Alors, elle dit merci. Alors, tout le monde, everyone say you very pretty. Hmm? Elle est très belle, n'est-ce pas? Voilà. Et merci beaucoup pour les cœurs pour elle. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez été attentif du début jusqu'à la fin. Parce que Solange Bi ne mâche pas ses mots. Elle n'a pas la langue dans la poche. Ce qu'elle pense là, c'est ce qu'elle dit. Une vraie guerrière. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de rechercher Camden Judas et José Judas. Les deux Judas de l'affaire Samila. On est en train de les rechercher. Donc pour tous ceux qui peuvent trouver ces deux-là. Vous avez écouté le message. Vous avez écouté le message de Solange Bi. Les deux Judas sont recherchés. Et aussi, cette photo que vous voyez juste à côté de moi. Ce cassant-là qui se trouvait dans la même salle que Samy. Au moment où le pauvre fils d'autrui était en train de souffrir de douleur. Il était en train de... C'est-à-dire que la douleur était en train de ronger sa chair. Ils ont fait une vidéo pour détourner l'attention du peuple camerounais. Parce qu'ils pensent que nous sommes bêtes. Mais malheureusement, Dieu nous a bien créés. Voilà. Les Camerounais sont très intelligents. Ça seulement, on ne peut pas les reprocher ça. Donc, ils ont fait cette mise en scène. Genre, façon... Mais on les a attrapés la main dans le sac. Voilà. Ce monsieur-là, lui-même, il doit être recherché. Il doit nous dire ce qu'il faisait là-bas. Il doit nous dire ce qu'il faisait là-bas. La personne qui dit dans la vidéo, cette dame n'aime pas la vitesse, elle n'aime pas la vitesse, comme s'il connaît la dame qui a heurté Samy. On peut mentir comme ça. On peut être bête comme ça. Genre, balancer cette vidéo, peut-être que ça va les convaincre et tout, peut-être qu'ils vont se calmer. Ça, c'est mal connaître le Camerounais. Et puis les amis, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, la maman de Samy ne vit plus. Et je suis sûre et certaine que si cette dame-là vivait, c'est que peut-être que cette affaire même déjà est close. Parce qu'elle aurait pris des résolutions face à ça. Ils se sont dit, bon, comme il est orphelin, si on fait ça, ça ne va pas aller quelque part. Pourtant, ils ignoraient que Samy était quelqu'un de pur. Parce que lorsque... Tu n'es pas quelqu'un de propre, de pur. Tu n'as pas une âme pure. Lorsque tu pars dans ce genre de conditions-là, personne ne va parler de toi. Ça dit qu'on va t'enterrer et on va passer à autre chose. On va te jeter aux oubliettes. Malheureusement pour eux, Samy était quelqu'un qui avait un cœur pur, une bonne âme. C'est pour ça que son sang est en train de crier vengeance et tous les jours qui passent, ils ne font que s'enfoncer. Et donc, tant que la vérité n'éclatera pas, Samy ne va pas se reposer. Je dis un big up ici à l'étoile caribienne pour le combat qu'elle mène sur sa page concernant l'affaire Samy. Un big up. Ça veut dire que ce que beaucoup n'ont pas vu là, c'est ça étoile caribienne voit. Voilà. Elle est assise au sommet de l'arbre. Elle voit tout ce qui se passe. Big up à toi. Comme Solange Bi l'a dit, au début de cette affaire, Karimo a vite fait d'entrer en contact avec l'étoile caribienne où elle a parlé en appel vidéo avec Shakiro. Et voilà, l'objectif de cette dame-là, c'était de convaincre l'étoile caribienne. C'était de lui donner sa version à elle et de convaincre l'étoile caribienne d'accepter sa version. Mais comme l'étoile caribienne est dotée d'une intelligence et d'une sagesse sans pareil, elle n'est pas tombée dans le panneau. Voilà, parce qu'une autre personne aurait dit, non, comme Karimo m'a contacté, c'est Karimo qui a raison. Moi, j'ai la soutenir sur les réseaux sociaux et tout ça et tout. Non, au moins là, l'étoile caribienne, elle a de la jugeote. Contrairement à toutes ces personnes-là qui défendent l'indéfendable, qui défendent ce qui ne peut pas être défendu. On vous parle d'un enfant qui est parti dans des conditions qu'on n'arrive pas à élucider. Et je vois les gens se pavaner sur les réseaux sociaux
se faisant passer pour des personnes intelligentes alors qu'ils ont déposé leur cerveau dans la valise en bas de leur lit quelque part là-bas avant de venir sur les réseaux sociaux pour pondre des balivernes, pour pondre tout et n'importe quoi. Donc, les amis, restons lucides. Donc, big up à l'étoile cribienne. Big up à VP de Londres. Big up à la maman des beaux gosses. Big up à Solange B. Big up à One Love. Jusqu'à y pleurer. Big up à One Love. Big up au Dieu donné 100 ans. Big up à tous les combattants. Voilà. C'est grâce à vous. Grâce à Felicia d'abord. Voilà. Ça, c'est femme de chez femme même. Grâce à Felicia et grâce à vous que ce combat continue aujourd'hui. Et nous ne laisserons pas tomber jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Donc, les amis, je vais vous laisser ici. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le teint Kidja, le teint parfait, c'est grâce à la gamme de beauté Moi et Ben Beauty. Disponible sur le site internet www.moiebenbeauty.com. C'est-à-dire que quand vous partez sur votre application Google, là, dans la barre de recherche, vous inscrivez www.moiebenbeauty.com. pour voir les prix des produits. Commandez partout où vous trouvez, vous serez livré tranquillement. Ce ne sont pas des produits pour se tchat, ni pour changer de teint. Ça là, c'est juste pour uniformiser votre peau. C'est uniformiser votre teint de la tête jusqu'aux pieds. Avoir une peau de bébé bien hydratée et en profondeur. Fait à partir d'extraits de plantes. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'hydroquinone. Donc les amis, si vous voulez avoir un teint qui tchat naturellement, allez-y sur le site internet www.moiebenbeauty.com. D'ailleurs, je laisserai en commentaire le lien pour vous permettre d'aller commander vos produits tranquillement. Nous continuons la promotion des perruques jusqu'au 15 septembre. Voilà, pour toutes celles qui sont intéressées par les perruques de chez Melissa Hair, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste là. Entrez en contact avec moi pour pouvoir commander vos mèches, pour pouvoir commander vos perruques. Voilà. Nous avons aussi les perruques 13 qui sont disponibles, qui sont aussi en promotion. Donc, venez profiter de la promotion. La fin de la promotion, c'est jusqu'au 15 septembre que vous avez la possibilité de payer en 2 tranches. Ce n'est pas cool? Donc, famille, on va se laisser là. Restons debout, restons positifs. Justice pour Samy. Hashtag justice pour Samy. Tout le monde, écrivez en commentaire justice pour Samy. La vérité va sortir. José et puis Camden, là où vous cachez là, c'est là-bas les Camerounais dorment. Tenez-vous tranquille. Vous allez nous dire la vérité. Même s'il faut qu'on vous presse pour que ça sorte par vos pores. Vous allez nous dire la vérité. Même s'il faut, il faille que vous pondez la vérité là. Vous allez pondre cette vérité. Parce que trop c'est trop, on en a marre. Stop. Stop. Trop c'est trop. Là où vous cachez là, c'est là-bas les Camerounais d'hommes. Donc faites gaffe. Voilà. Vous avez entendu Solange Bino? Vous avez entendu? D'accord.